I'm talking to you this morning about the ABCs of miracles. Alors nous pouvons ABC de miracle. What does it mean? It's simple. This means the simplicity, the easy steps of miracles. Veut dire tout ban niveau facile pour un miracle en délivrance. If you go on internet, you will see the ABCs of salvation. This means like the basic things of miracles. Si vous allez sur internet, vous trouvez la ABC de le salut. Ça veut dire que c'est la base de la délivrance, du miracle, du salut. Okay, so it's very simple. C'est très simple. And I trust the Lord, you will receive your miracle. Et me faire bon Dieu confiance que vous recevrez miracle. Let us pray, say Holy Spirit. Dis Saint Esprit. I thank you for miracle in my life. Merci pour miracle dans ma vie. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Okay, Matthew chapter 17, verse 24 to 27. Matthieu chapitre 17, le verset 24 à 27. I also pray before we read the word of God to all those watching us by internet. Et me les prie aussi pour ceux qui peuvent regarder nous à travers l'internet. I pray again, believe in yourself. Believe in God. Crois dans Dieu. And move on. Et continuez. Let me give you, I posted this on Facebook, I think, yesterday. Alors, on va mettre cela sur Facebook hier. Don't wait for things to happen. Pas attendre quelque chose pour arriver. Make things happen. Faire quelque chose arriver. Can you say amen? Vous pouvez dire amen. So God bless you. Et Dieu bénisse. Matthew 17, 24 to 27. Matthieu 17, le verset 24 à 27. And when they were come to Capernaum, they that received tribute money, yeah, a temple tax, this is the word, came to Peter and said, does your teacher not pay the temple tax? Verse by verse, thank you. Lorsqu'il arrivait à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 grammes s'arrêtèrent à Pierre et lui dit, votre maître ne paie-t-il pas les 2 grammes? Let us stay here. Let me just comment a little bit on that. Et laisse-moi faire un petit commentaire sur ce verset-là. There was a temple tax. C'est là une taxe qui payait dans le temple. In Exodus 30, verse 13, and 2 Chronicles 24. Dans le livre d'Exode, l'Icosola, le verset 30, 13 à 16. So every male Israelite. Alors tout bon homme israélite. Whether they were in Israel or outside Israel, que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël, they had to pay this tax. Je suis obligé de payer cette taxe-là. What it's called? Look at this. It's called temple tax. Appelez ça le taxe du temple. This was not for the government. Ça, c'était pas pour le gouvernement. And still they are doing it. They pay a tax. Alors ils ont encore fait ça, ils ont payé une taxe. To for the service of the temple. Pour payer le service du temple. Isn't it interesting? I never saw it like that. Je pas trouvé cela comme cela. That's why those people came and asked Jesus, what about your teacher? Jesus does not pay tax. Et de là, maintenant, ils demandaient, mais est-ce qu'ils ont maître, l'enseignant, est-ce qu'il n'y a pas payé taxe-là? And verse 25. Et le verset 25. So I think, again, this shows us how maintaining, supporting the church is very important. Alors qu'une fois, il montre nous comment la maintenance dans l'église est très important. Amen. It was so important that God imposed it as a tax, temple tax. Mais c'est tellement important que Dieu même finit appeler ça une taxe pour le temple. Wow, interesting. Amen. He said yes when he had come into the house. Jesus anticipated him, saying, "What do you think, Simon? From whom do the kings of the earth take customs or taxes? From their sons or from strangers?" Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que te semble, Simon? Les rois de la terre de qui perçoivent-ils des tribus et des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Let me pause here again to share something with you. Partage quelque chose avec vous encore une fois. What did Jesus want to tell them? Que Jésus-Christ a envie de dire ça? Again, it was called a temple tax. Encore une fois, ça s'appelle ça une taxe pour le temple. For the house of God. Pour maintenir la maison de Dieu. What Jesus was trying to explain to Simon? Alors, ce que Jésus tu pensais explique à Simon? I am the Son of God. Moi, mais le Fils de Dieu. In fact, he was not supposed to pay this tax. En fait, il n'est pas supposé payer taxe là. Because it was for the temple. Parce que c'est pour le temple. God does not pay himself. Dieu pas capable de payer lui-même. This is what he was saying. Voilà ce qu'il voulait dire. From whom the kings of the earth take custom or tax from their sons or from strangers? Il dit, est-ce que ben les rois de la terre de qui se prend taxe? De ban de ce ban garçon ou bien de ban étranger? Verse 26. Le verset 26. Peter said to him, from strangers. Jesus said to him, then the sons are free. Il lui dit des étrangers, et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts.
Do you see that again? Je trouve cela encore une fois. He was not taxable. Jesus. Jésus-Christ n'est pas subjugé d'une taxe. Amen. According to the word of God. Selon la parole de Dieu. According to principle. Selon les principes. He was exempted from this tax. Il était exempté du taxe. As a son of God. Comme un fils de Dieu. Yet in verse 27. Mais malgré cela dans le verset 27. He said, nevertheless, lest we offend them, go to the sea, cast in a hook, take the fish that comes up first. When you have opened its mouth, you will find a piece of money. Take that and give it to them for me and you. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Before I go in the principles of the ABCs of miracles. Avant me rendre dans les principes des ABC du miracle. Look what he said. Look at his attitude. Regarde son attitude. Although it was his right not to pay. Malgré c'était ce droit pour pas payer. Amen. He said, nevertheless, don't offend them, Peter. Lydia, pas fait un ornier, pouvis pas offenser. Do you see this principle? Je trouve ça principe. Sometimes là. Many people fight. This is my right. Beaucoup du monde parfois ont la guerre. Ça c'est mon droit. I am right. Mon correct là. I have reason. Mon a raison. But Jesus did not have this kind of attitude. Mais Jésus-Christ pas tenu cette attitude là. He said, don't offend them. Lydia, pas offense. Okay, if we need to do that so that they don't offend, let's do it. Si nous faisons des affaires pour du monde là pas offensé, can I hear an amen? Can I hear an amen? This is the attitude you must have. Voilà l'attitude qui nous besoin là. As you know, I preached on offenses recently. Alors que vous connaissez mon prêche sur l'offense récemment. So don't cause any offense. Pas permettre l'offense arriver. And the principle is always try to make peace with everyone. Alors le principe c'est tout le temps essayer de faire la paix avec tout le monde. Don't let anything come in between cause a problem. Alors pas laisser rien qui rentre à travers pour faire un problème. Now let's go to the miracle. Maintenant nous rentrons dans le miracle. How this miracle happened? Comment ce miracle est arrivé? Maybe before I go in the miracle, I want to say again. Alors avant de rentrer dans le miracle, je voulais dire quelque chose. For those having a business. Pour ceux qui ont un business. For those who want to have a business. Pour ceux qui ont envie d'un business. He did not call money from heaven. L'Ipan appelle les casse depuis dans le ciel. Money did not fall from heaven. L'argent pas descendre, pas tomber depuis dans le ciel. Where was the money? Quand l'argent là était. The money was already here on earth. L'argent là était déjà là sur la terre. Do you see that? Je trouve cela. And number two principle. Deuxième principe. The money did not come. L'argent pas venu par lui-même. He had to go and look for it. Il était besoin à le rendre l'argent. Can you say amen? Vous pouvez dire amen. Many times we sit and just wait and wait and wait. Beaucoup de fois, nous assisons, nous attendons, nous attendons et nous attendons. Look what Jesus said. Regarde ce que Jésus dit. I go slowly for you to understand. Mais là, tu peux lentement pour que tu comprennes. Go. Allez. Cast. Zet l'hameçon. Take the fish. Prends poisson là. Open its mouth. Ouvre sur la bouche. Find a piece of money. Tu peux gagner l'argent là-dedans. Take that. Prends-le. Give it to me. Donne-le-moi. Let me give you a revelation this morning. Let me give you a revelation. Peter was a professional fisherman. Pierre était un pêcheur professionnel. Just for the sake for us to have revelation. Juste pour nous gagner une révélation. Think about it. Pense-le-là. If I was Peter, si moi m'étais Pierre, I say Jesus. Tu disais Jésus. Sir. Maître. Excuse me. Pardonne-moi. I know if I have to fish, I need a hook. Je connais si j'ai besoin de la pêche, j'ai besoin de l'hameçon. This must be crazy. Go to the sea. I know the fish is in the sea. The fish is not on the mountain. The fish is not on the land in the garden. So, in simple words, Jesus could have said everything in one word. En d'autres mots, il peut résumer tout cela dans un seul mot. Fish this, take a fish. Prends un poisson. And you will have a coin and pay. One line. La ligne. But why did he go all those details? Alors, mais qui fait l'inal dans tous ces détails? There are many revelations in this. Il y a beaucoup de révélations là-dedans. Number one say, go to the sea. Numéro un, il dit, allez vers la mer. Don't wait for things to come.
Pas attendre quelque chose venir. Make things happen. Faire quelque chose arriver. It's only when you go. C'est seulement quand vous allez. That God will do the miracle. Qui Dieu peut faire miracle. Can I hear an amen? Vous entendez un amen? It is as you go. C'est pendant que vous pouvez aller. It is when the children of Israel. C'est pendant que le peuple d'Israël. Came in front of the sea. Je viens devant la mer. That the sea was open. Là la mer est ouverte. Can you say amen? Vous pouvez dire amen? Sitting in your home won't make it happen. Assis dans la case, il pas pour arriver. Sitting in an office won't make it happen. Assis dans un bureau, il ne peut pas arriver. Only, you have to do something. Juste assis, il ne peut pas arriver. Ou bien faire quelque chose. Sit and do something. Assis, mais faire quelque chose. Can I hear an amen? Un amen. So go to the sea. Allez vers la mer. Go where you think it will happen. Allez vers où connaît que tu as quelque chose là pour arriver. Go and knock the specific door. Allez, elle tape la porte qui bizarre. Can you say amen? Vous pouvez dire amen. You know, in Mauritius today, if you need to open a business, you need a business card which costs only 100 rupees. À Mauritius, si vous bizarre ouvrez un business et un business card qui coûte juste 100 rupees, vous êtes tiré. And many people sometimes they come to me, they say, I want to open a business, but they don't even have a business card. Beaucoup de monde dit, j'ai envie d'ouvrir un business, mais je n'ai même un business card. Let me ask you a question this morning. You know how I preach. I want to help you. That's why sometimes I take a hammer and I hit it here. The question is, from the 1st of January depuis le 1er janvier, to today, 24th of May, aujourd'hui 24 mai, how many of you never had 100 rupees in your hand? Dans ces 4 mois, lève la main. Mais beaucoup sont européens venus. What did we do? Eat dal pourri? Min frère? Qui vous fait 100 rupees là? Mange min frère dal pourri? And one business card is 100 rupees. Un business card coûte 100 rupees. Do you see that? Oh, in fact, this is my next point. En fait, ça, c'est le prochain point. Human reasoning and excuses. Ben raisonnement humain et ben excuse. Are hinder miracles. C'est ben obstacle pour miracle. You still remember another situation? Je t'encore rappelle une autre situation. When Jesus told Peter, throw your net. Quand Jésus dit à Pierre, en vrai, jette ton filet. You remember this? Je rappelle cela. What did Peter say? Qui Pierre dire? Lord, I fish the whole night. Seigneur, moi la pêche toute la nuit. I am an expert. Mon expert. I am professional. Mon professionnel. I did everything. Mon fait toute chose. I did not get any fish. Je n'ai pas aucun poisson. Now you are saying fish again. À cette de dire, relâpez encore. We must obey. Nous devons obéir. Do you see that? On trouve cela. Do you see that? So go where you need to go. Allez côte bizarre, allez. Remember this. Rappelle cela. Miracle happen as you start walking. Miracle est arrivé quand on commence à marcher. Miracle happen as you start going. Miracle est arrivé au moment où on commence à aller. Miracle happen as you start doing. Miracle arrivé quand on commence à faire quelque chose. Here in this place. Ici dans cette place là. You have seen with your eyes and heard. Une trouvé avec vos yeux, une entendu avec vos oreilles. So many miracles. Beaucoup de miracles. From people who did this extra effort. Quelqu'un qui fait ça effort en plus là. They say, oh, I did not feel like coming this morning. Et un jour, moi pas senti pour venir grand matin. Oh, I was in pain, I could not walk. Mais moi j'ai de la douleur, moi pas capable marcher. But I came. Mais moi venu. Boom, miracle happened. Miracle n'est arrivé. Do you see that? On trouve cela. I thank God there is a brother in the church. I was helping him. Alors, tu as un frère dans l'église, moi tu payes de lui. He had a business and then nothing was moving, nothing was happening. Tu as un business et non, pas tu peux arriver. And then I was encouraging him, do something, start doing. Et moi je peux encourager lui, commence à faire quelque chose. I thank God. Je remercie Dieu. He obeyed. Il obéit. He started a small thing. Il commence un petit chose. It did not work. It closed down. Il ferme. Open another shop. Il ouvre une autre boutique. Did not work. It closed down again. Ça c'est pas Marcel, il ferme. He start another a small business somewhere. Il recommence un autre business. Not working well. Il pas même marche bien. But then he did not stop there. Mais il pas arrête là. He went in a flea market and what you call a food fair. Alors, il y a une la foire à manger. Okay, and when he went there, et quand il est là-bas,
he was selling in a small table, selling some of the stuff he had. A businessman approached him that day. And said, you know, I have money. But I don't know how to do all this stuff. I give you, this is a prime area in a town. I give you all this for free. Dans une place stratégique dans la ville, me donne-toi tout cela gratuit. Not only that, the building I think is two free storey, just built, new building. He is in charge of this. Alors, il est responsable de sa bâtiment. You are responsible to develop it. Toi, t'es responsable. Without any money, without no money, sans l'argent, he became a partner with a business people. Devenu un partenaire avec un businessman. Give the Lord a big hand. Donne la main au Seigneur. How did this miracle happen? Comment ce miracle est arrivé? When he went. Quand il est allé, don't sit and watch TV. Pas télévision. Or Indian series, Bollywood, or whatever. Indien. Amen. Amen. No. Start moving. Go to the sea. Commence à aller vers la mer. Where do you need to go? Quand tu veux aller. To the sea. Vers la Give mer. Me my scripture again, please. Cast in a hook. Zette l'hameçon. Amen. Do what you need to do. Faire ce que vous devez faire. That's why he said. Use a hook. À cause of him, he just served the lamson. It sounds very ridiculous to tell a fisherman. Actually, this is an offense. En fait, il paraît ridicule, une offense pour un pêcheur prendre lamson. Amen. Just think about it. Juste pense leur là. Amen. Amen. But Jesus said, "Cast your hook." Mais Jésus a dit, "Jette lamson." Take the fish. Prends poisson là. Amen. Of course, when he got the fish, he must take the fish. Bien sûr, quand il a poisson, il prend poisson là. What will he do with the fish? Sinon, qu'il est bouffé en poisson là. Come up first. That come up first. Il dit, prends poisson là. Open the mouth. Il dit, ouvre sur la bouche. My God, look at all those details. Et qu'est-ce qu'un détail là? You will find the piece inside the mouth. Tu peux trouver l'argent là dans la bouche. Now take that coin. Assez pour l'argent là. And give it to them and for me. Et paye les autres pour moi et pour toi. Go and study all the miracles in the Bible. Alors, allez étudier tous les miracles de la Bible. Those people who did this extra part. Action bring miracles. Action amène miracle. Now read 1, 2, 3. Read. 1, 2, 3. Mais pour ne pas les scandaliser, et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Reste la même. Nous dire ensemble. Va à la mer. Va à la mer. Fais-tu la mer comme ça? Va à la mer. Va à la mer. Pas jardin, pas non, pas gâtel, non, là. Jette l'hameçon. Jette l'hameçon. Tire le premier poisson. Tire le premier poisson. Ouvre-lui la bouche. Ouvre. Tu trouveras un stratère. Tu trouveras un stratère. Prends-le. Sans la main, sans la patrique, là. Right. Donne-le-leur pour moi et pour toi. Donne-le-leur pour moi et pour toi. Je trouve ça comme quelque chose, il y en a pour faire là. 7 things to do for this miracle. 7 petites choses pour faire pour to miracle. Walk in this miracle. Pour marcher dans ce miracle. In English, then you take your place. En anglais, après nous prendre place. Those who can read 1, 2, 3, go ahead. Nevertheless, lest we offend them, go to the sea, okay? Cast in the hook, take the fish. And come when you have opened its mouth, find a piece of money, take that, give it to them. For me and for you. Thank you. You may take your seat. Merci, Zokagaze Place. Somebody shout action. And you can cry action. Lift up your hand. Say, I'm not going to sit. And you can say, on va pas siéger. But you are sitting. It's okay. Say, no, I'm not going to sit spiritually. Vous pouvez pas siéger spirituellement. Say, I'm not going to sit spiritually. Vous pouvez pas siéger spirituellement. Someone say, I am determined to walk in miracles. Et qui can dire, moi déterminé pour marcher dans miracles. You know, sitting, criticizing, and crying for fuel have gone up won't solve your problem. Ou assiser, ou critiquer, ou pleurer parce qu'il est censé monter, il pas pour faire nanier. You can sing a song every day. My fuel in Mauritius have gone up. Hallelujah. Ou quand sort d'un cantique, un santé là-dedans qui me laisse censé monter dans l'île Maurice. Hallelujah. Nothing will happen. Nanier va pas arriver. Believe in God. Crois dans Dieu. Somebody say, I believe in God. Un qui can dire, me crois dans Lift up your hand, say, I believe in God. Lève la main, dis, me crois dans My Dieu. My God is a God of miracles.
miracles. But just un Dieu de miracles. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I'm not going to sit. Je ne vais pas assiser. Somebody say I'm rising up spiritually. Je vais lever spirituellement. And I'm going to move. Il va vous bouger. Amen. Amen. In Isaiah 60 verse 1. Dans Isaïe 60, 1er. You know what it says? Qu'est-ce qu'il dit? Arise. Il dit lever. Shine. Briller. Then the glory of God will come Le, upon là, you. La gloire bon Dieu pour venir là-haut. This is the problem. We sit and we wait for God to do everything. Le problème c'est qu'il nous assise et nous attend bon Dieu fait toute chose. God does not work like this. Dieu pas travaille comme cela. Can I repeat this? Vous pouvez répéter cela. Let me help you. Laisse-moi aider. Miracles are so easy. Miracle est tellement facile. Miracles are the will of God for His children. Miracle c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. God wants all His children to walk in miracles. Dieu a envie que ses enfants marchent dans miracles. How does it happen? Comment y arriver? You have to rise up. Vous devez lever. You have to start moving. Vous devez commencer à bouger. And the glory of God will come. Et la gloire bon Dieu the anointing will come. L'onction pour venir. The sea will open. La mer pour ouvrir. God will provide. Bon Dieu lui pour pouvoir. Miracle will happen. Miracle pour arriver. Someone shout hallelujah. Et quelqu'un crie hallelujah. My miracle is happening. Miracle pour arriver. So many miracles in the Bible. Beaucoup de miracles dans la Bible. One time somebody was crippled for 38 years. Et quelqu'un était paralysé pendant 38 ans. What did Jesus say? Qui Jésus dit? Wait until you are well, then you rise up. Attends quand tu es bien et là te lever. What did he say? Qu'il dit? Rise up. Lever. Take your bed. Prends ton lit. And your mattress from Dreamon mattress. Ton matelas de Dreamon mattress. Look at what Jesus said. Qu'est-ce que Jésus dit? No, it may sound very rude. Oh Jesus, you don't have compassion. Il paraît d'un peu dire, Jésus paraît comment dire parti dans compassion. The guy is paralyzed here on his bed for 38 years. Ça qui gagne là, il peut dormir paralysé dans son lit pendant 38 ans. And you tell the person. Et où Dieu s'en dit moun là. Hey, rise up. Toi lever. Take your bed. Porte le lit. And move. Et marche à ce là. Et bouger. Bouger. Ça m'a appelé un peu plus fort. Hey, I don't know about you. This is look. It can be offensive. Vous connaissez, il paraît offensant. But this is how miracles happen. Mais voilà comment miracle arrive. Take your bed, take your sofa, put it on your head and walk. Prends le lit, prends le sofa, mets-le sur la tête après marcher. Someone shout action. Un qui gagne réaction. Someone shout action. Un qui gagne réaction. I say again, don't wait for things to happen. Vous dites encore pas attendre quelque chose pour arriver. Stand up. Debouter. Walk. Marcher. Knock the door. Tape la porte. Go. Allez. Ask. Demandez. Miracle will happen. Miracle pour arriver. Can you say amen? Vous dire amen. And of course, obey. Et bien sûr, obéir. I said it before, I said it again. Human reasoning hinder miracles. Ben raisonnement humain les pour mettre obstacle à ben miracle. Excuses hinder miracles. Ben excuse les pour mettre obstacle à miracle. You understand that? Only obey. Disobéir. Somebody say obey. Et qui can dire obéir? Obey obedience. L'obéissance is by itself an act of trust in God. C'est une action lui-même pour la foi envers Dieu. Someone shout amen. Et qui can dire amen? Hebrews chapter 11 verse 1. Hébreux le chapitre 11 verset 1. Now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. We need to move. Nous devons bouger. Believe in God. Crois dans Dieu. This is faith, hallelujah. C'est ça la foi. And I thank God for Peter here. Et me rends grâce, bon Dieu, pour Pierre. He did not ask Jesus. Il pas demandé Jésus. I think by now he was really born again. C'est là l'infini de nouveau. Said Jesus, all this time I was fishing. My father was a fisherman. Le Seigneur, tout ça étant là, mon papa était un pêcheur, monsieur un pêcheur. Amen. We catch cato, red snapper, and all those fish. Nous mal cato, nous mal vielle rouge. Qui compte manger la cône? Pardonnez-moi, mon compte est tirousé, amen. Hey, whatever, mes amis, I never got a coin in any fish, Jesus. Jamais mon gars l'argent dans la gueule poisson. Do you see that? Tout cela. But what did he do? Mais qu'il fait? The master has said.
Le maître fin dire, I obey. Mon obéir. I have seen this. I counsel, advise people. Mon trou cela, nous donne conseil. This brother, I told you about this miracle now. Sa frère qui m'a trouvé avec miracle. He listened. He listened. And miracle happened. Un miracle arrivé. Someone else. Un autre qui ken. Of course, they were coming with all excuses. Bishop, I don't have money. I don't have this. I don't have that. But anyway, I was very patient. I said, no, God will make a way. Please do something. S'il vous plaît, fais quelque chose, commence quelque chose. At the moment I'm preaching to you now. Without any money, he's running a business which is about 500,000 rupees. Qui coûte environ 500 000 rupees. Without money. Sans l'argent. The problem is not money. Problème, c'est pas l'argent. The problem is your obedience, your determination. Problème, c'est l'obéissance ou détermination. Your action. Ou action. It's time. Lift up our hands and say, I rebuke laziness. Lève-vous la main, dis-moi, ça se paresse. I rebuke all the spirit of turtle. Me sasse tout le monde l'esprit tauti. Mais moi, pas qu'on essaie d'exister, mais bien, ça, c'est ça l'esprit tauti, là. Amen. Amen. Ou soit l'esprit coupa. Amen. Moi, je coupa. Non. Amen. Bon Dieu, appelle-nous man leg man yo. God has called us to be eagle and a lion. Bon Dieu, appelle-nous man leg et man lion. Amen. Someone say, I'm not a snail. Et qui can dire, moi, pas coupa. I'm not a turtle. Moi, pas une tauti. I am an eagle. Man leg. I am a lion. Man lion. Someone shout hallelujah. Et qui can crie hallelujah. Eagle fly very high. Man leg, je t'envole bien haut. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So miracle is so simple. Alors miracle simple. No reasoning. Mais n'a aucun raisonnement. Trust the word of God. Faire Dieu obey his commandments. Obéir ses commandements. Start where you are. Commence quand tu étais. With what you have. Avec ce que tu es là. And the miracle will take place. Le miracle vous prend place. Can you say amen? Vous pouvez dire amen. Let us close our eyes, please. Laissez-nous fermer nos yeux, s'il vous plaît.